Signé Furax. Huitième épisode. Black. Hein? Quoi, Wade? T'as fini de siffler. Pourquoi? Ça te dérange? C'est pas que ça me dérange, ça m'énerve. Désolé, mon cher White. Navré de contrarier une sensibilité que je ne soupçonnais pas aussi délicate. Oh, ça va. Non. Je vais changer de disque. Je vais chanter autre chose. Black. Si, tu vas aimer ça. Le prélude de Rachmaninov sur les motifs de Montre-moi ton lino, je te ferai voir ma moquette à bouche fermée. Black, ça. Ne me pousse pas à bout. Sans ça, j'aime autant te dire. Sans ça? Rien. Ouais. Boucle-la, c'est tout ce que je te demande. Dis donc, Wade, tu commences singulièrement à me bousculer les globules, toi, hein? Qu'est-ce que t'as, éternieux? Dis-le, hein? Mais dis-le donc! Mais comment que je vais te le dire? Ben, vas-y, allonge-toi! Eh ben, comment que je vais m'allonger? Allez, accouche! Et comment que je vais accoucher? Alors, te gêne pas, parle! Mais comment que je vais parler? Mais ben, qu'est-ce que t'attends? Ce que j'attends, ce que je... Oh, putain, autant te lâcher le morceau, tiens! Eh ben, lâche-le! Parfaitement que je vais le lâcher, j'en ai marre! Marre de devoir tourner autour de la petite Yolande. T'entends, j'en ai marre. Ah ouais? Là. Ça te regarde? Je veux que ça me regarde. Parce que monsieur voudrait être tout seul à cavaler après. Dis, c'est tes oignons. Un peu que c'est mes oignons. Et tiens, tire-toi, tu me dégoûtes. Et toi, tu me répugnes. Wait. Black. Oh. Et puis tiens, au mieux qu'on se casse chacun de son côté. Comme tu dis, ça vaudra mieux. Hein? Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'attendais que t'arrives pour aller ailleurs. Bon, ben vas-y, n'en reviens pas. Je reviendrai si ça me plaît. Ah oui. Ouais, monsieur. Ah ouais, oui. Ouais, c'est comme ça. Que ça te plaise ou non. Oh, quand je pense qu'il y a des années que je travaille avec ça. Ah, curieux. Je me faisais la même réflexion. Oh, feignant. Paillasse. Parasite. Don Juan de Bazaar. Séducteur à la sauvette. Tiens. Wade, ça suffit. Oh, c'est bien mon avis. Je veux plus t'en trouver sur mon chemin. Ni toi sur le mien. Alors va dans le boudoir. Moi, je me tiendrai dans le salon. Non, moi dans le salon, toi dans le boudoir. J'ai dit moi dans le salon. Et moi, je dis toi dans le boudoir. Je te répète, moi dans le salon, toi dans le boudoir. Et moi, je t'ordonne, moi dans le boudoir, toi dans le salon. Tu m'ordonnes. Oui, je t'ordonne. Répète un peu, tu m'ordonnes quoi? Moi dans le boudon, toi dans le saloir. Et c'est ça, chacun chez soi. Oui. Eh bien, mais qu'est-ce que j'entends? Oh, vous savez qu'à des moments, vous prendrez pour des enfants. Un grand gosse. Bah, c'est lui qui me cherche. J'ai cherché personne, mais j'ai trouvé un pignouf. Oh, pignouf toi-même. Allons. Non, mais franchement. Par cette belle journée, oh. Vous n'avez pas honte. Il ne fait pas un temps magnifique. Une journée idéale. Ouais. Oui, bien sûr. Évidemment, ouais. Un jour pareil, on n'a pas plutôt envie de douceur? De tendresse, Oh, oui, ça, oui, oui. Mais d'abord, serrez-vous la main. Non, oui. Pas chacun de votre côté. Réciproquement. Allons. Voilà. Allô, Jérémy? Comment allez-vous, cher Furax? Mal, j'ai fait une indigestion. Des escargots? Oui, comment le savez-vous? Vous sentez l'ail au téléphone. C'est bon, bouchez-vous le nez. Mais ouvrez vos oreilles. Black et White, il faut me les garder encore. Oh, ça c'est facile. Et oui, j'ai perdu du temps. Je crois qu'ils sont un peu amoureux. Ah bon? Ben, juste qu'il faut une petite rivalité, quoi. Rien de bien grave. Il crie pas trop fort, non? Oh, ça, pas de danger. Pourquoi? Il ne se parle plus. Monsieur White, Monsieur Black vous fait dire que le cas échéant, il n'hésiterait pas à vous vider son chargeur dans le baquet et à vous piquer le valseur avec sa sacagne de cérémonie. Ah, il a dit ça. Oui, Monsieur White. Peut-être y aurait-il lieu oui, de... Oui, naturellement. Dites-lui... Merde, de ma part. C'est tout? Bonjour. Oh, mademoiselle Yolande, quelle agréable surprise. Je suis, je ne sais comment, je ne trouve pas les mots. Vous ne voyez pas d'inconvénient, monsieur Black,
Est-ce que je m'installe près de vous? Oh, oh non, Yolande. Au contraire. J'ai du vernis à me mettre aux ongles des pieds. Et je trouve ça si horriblement ennuyeux. Mais je vous en prie, installez-vous. C'est tellement adorable, une présence d'homme à ses côtés. Dans ces moments-là. Oh, Yolande, vous me... Du tout. Surtout, si l'homme est à la fois doux et puissant. Yolande. Sauvage et tendre. Yolande. Indomptable et dompté. Yolande, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens quelque chose là. C'est le chou rouge qui ne passe pas. Oh non, Yolande, c'est plus profond que le chou rouge. La betterave alors? Non, un sentiment étrange de tendresse et de jalousie. Yolande, laissez-moi vous embrasser. Attendez. Pas tout de suite. Tenez, prenez ce petit pinceau. Attention, il y a du vernis. Et passez-le-moi sur les ongles du pied droit. Voilà. Yolande. Voilà. Je ferai le pied gauche plus tard. Yolande. Monsieur Black. Ce pied droit est le plus beau jour de ma vie. Vous êtes un chou. Vous restez encore quelques jours avec nous? Oh, toute la vie, si vous voulez. Vous savez, vous êtes charmant. Oh, Yolande. Bonjour, Monsieur White. Oh, Yolande. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je m'installe ici près de vous? Oh non, Yolande, au contraire. J'ai du vernis à me mettre aux ongles des pieds et je trouve ça si horriblement ennuyeux. Mais oui, mais tenez, mais mettez-vous là, tenez. Donnez-moi le pinceau, vite là. Donnez-moi. C'est tellement adorable, une présence d'homme à ses côtés. Oui, oui, oh, à qui le dites-vous? Oh, mais à vous. Oui, merci. Tiens, ça y est, le hockey, là. C'est l'émotion. Ça, c'est... L'homme est à la fois doux et puissant, tendre et sauvage, indomptable et dompté. Yolande, je ne sais pas ce qui m'arrive, je sens quelque chose là. Peut-être l'amour? Non, je crois que c'est le chou rouge ou la betterave. Qu'importe à vrai dire, ce qu'il me faut à présent c'est vous Yolande, vous mon petit, rien d'autre que votre regard apaisant, votre présence tiède et parfumée. Oui. Tenez, mettez-moi du vernis sur le pied gauche. Je me fous de votre pied gauche. Je me fous de votre vernis, là. Je veux que vous m'embrassiez, Yolande, je veux vous serrer dans mes bras, oui. Là, voilà, comme allons, ça. Allons, monsieur White. Un peu de contrôle. Non, Yolande, c'est trop tard. Les atomes crochus, vous et moi, vous comprenez? Ça y est. Monsieur White. Ah, bravo, parfait. C'est du joli, monsieur White. Se jeter sur une jeune fille. Oh, vous, monsieur Black, je vous prie de sortir. Hein. Soyez chez vous, peut-être. Épargnez-moi la vision de votre infâme visage. Mettez donc votre tête dans votre poche. Vous êtes né comme ça ou on vous a marché dessus? Ah, ça, vous allez me le payer. Oui, sortez, j'en ai marre de vous. Allons, monsieur, c'est un peu trop à présent. Non, j'en ai ma claque de ce type. Pas encore. Mais la voilà, tiens. Quoi? Une gifle? Ça y ressemble. Monsieur, mes témoins se présenteront à vous dans la journée. Je les attends, monsieur. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.